ChatGPT, c'est le mot que tout le monde actuellement a à la bouche. C'est pourquoi ici, je vous fais la démonstration d'un tout nouveau logiciel basé sur ChatGPT, mais qui va beaucoup plus loin et qui va libérer tout le pouvoir de ChatGPT pour créer votre contenu sans effort et qui va transformer n'importe quelle vidéo virale que vous trouvez avec un simple mot-clé en dizaines d'articles de blog de haute qualité en quelques secondes. Avec bien sûr une écriture par intelligence artificielle qui est indétectable par Google et que Google adore pour votre SEO, pour vous propulser dans les meilleurs résultats de recherche. Vous le savez, c'est pas un scoop, ChatGPT a changé la donne du marketing de contenu. Dès que vous avez une question, que vous cherchez une idée de contenu, vous pensez à ChatGPT. Alors j'ai une question pour vous, si vous deviez prendre un simple mot-clé et créer un long article de blog de plusieurs milliers de mots, puis ensuite 30 petits articles qui redirigent directement vers cet article de référence. Combien de temps ça vous prendrait avec ChatGPT et combien d'argent ça vous coûterait? Bien que ChatGPT rende la création de contenu hyper facile, ça reste toujours quand même assez compliqué pour créer des contenus longs de 2000, 3000, 4000 mots, puis ensuite des posts satellites qui vont pointer vers ce contenu long. Alors maintenant, imaginez un outil qui prenne le meilleur de ChatGPT pour ne pas créer juste un seul article, mais 5, 10 ou 30 articles en même temps en appuyant simplement sur un bouton. Imaginez un outil qui vous crée tout un écosystème d'articles optimisés SEO et que Google adore pour créer un tout nouveau blog en quelques minutes sur la thématique que vous voulez. Imaginez un outil qui vous permet de transformer une vidéo YouTube ou Vimeo ou vos vidéos en plusieurs articles de blog de haute qualité pour siphonner du trafic ciblé gratuit depuis Google ou pour vendre des articles de blog 50 ou 100 euros exactement comme le font ce type de freelance. Vous voyez par exemple le freelance à droite, il fait un article de blog de 1000 mots qu'il vend 525$. Ici vous avez des prestataires qui vendent des articles de blog 750$, 1100$, donc vous avez largement votre place à vous faire, surtout pour des articles que vous allez pouvoir créer en seulement quelques petites secondes avec ce superbe outil. Alors c'est parti, je vous montre tout de suite la démonstration complète. Bienvenue sur la démo de ce superbe outil qui est une véritable machine de guerre en termes de création de contenu sans effort qui est basé sur ChatGPT et il va vous permettre de libérer le pouvoir de ChatGPT puisque vous allez pouvoir, à partir d'une simple vidéo YouTube, Vimeo ou une de vos vidéos, transformer cette vidéo en un long article de blog de référence et à partir de ce long article de blog, vous allez pouvoir faire 5, 10, 20, 30 autres articles de blog satellites, ce qui va vous permettre de créer tout un écosystème sur une thématique donnée extrêmement rapidement en seulement quelques clics simples. Alors en bonus, je vous offre gratuitement une formation complète en vidéo pour prendre en main l'outil extrêmement rapidement, mais vous allez voir, il est extrêmement simple et intuitif et en plus, tous les contenus qu'il va faire, ils sont complètement Google friendly, c'est-à-dire que Google va adorer ce type de contenu puisque ça va être des contenus qui sont complètement uniques. Alors ici, première chose à faire, c'est de mettre soit un mot-clé, on va le faire dans un instant, soit carrément le lien d'une chaîne YouTube pour ressortir un certain nombre de vidéos sur votre thématique. Donc par exemple ici, j'ai mis le lien de ma chaîne YouTube, automatiquement ça me ressort toutes mes vidéos. Vous allez également pouvoir faire ça avec des playlists, si on clique sur Search, automatiquement ici, vous voyez, c'est une de mes playlists et toutes les vidéos de la playlist apparaissent ici. Et bien évidemment, vous allez pouvoir faire ça avec des mots-clés. Donc par exemple, si vous cherchez à faire un article de blog sur un thème qui vous intéresse, par exemple trouver des clients en ligne, vous pouvez ici filtrer les résultats par les plus récents, les plus vus, avec une licence soit Creative Commons ou soit toutes les vidéos disponibles par exemple sur YouTube. Ici vous voyez que vous pouvez également faire une recherche sur Vimeo, ça peut être vos propres vidéos également. Donc vous cliquez sur Search et automatiquement vous avez des suggestions de vidéos. Si ça vous intéresse pas, vous allez sur Next Page et puis vous naviguez comme ça jusqu'à trouver une vidéo qui vous intéresse et dès que vous trouvez une vidéo qui vous intéresse, soit vous l'ajoutez ici pour l'analyser plus tard, soit vous cliquez tout simplement sur Create Post. Et instantanément ici, vous avez tout le script de la vidéo qui va vous servir de base pour créer un post de blog long qui est complètement unique, ainsi que plusieurs petits articles satellites qui vont pointer vers ce gros article et c'est le type de maillage que Google adore. Donc il y a deux façons de procéder. Pour faire toutes les modifications, ce que je vous recommande, moi, c'est de traduire cet article en anglais par défaut, ce qui va vous permettre
permettre d'utiliser le plein potentiel de l'outil. Et une fois que vous aurez fait toute la création de l'article, vous pourrez ensuite le retraduire sans souci en français. Ça, c'est une première façon de faire. Mais une autre façon de faire, et c'est celle que je préfère, c'est de faire vos recherches directement sur le marché anglais. Donc, par exemple, si on recherche à faire un article sur le B2B email marketing, on peut mettre ça comme ça. On clique sur search. Pourquoi je préfère faire les recherches en anglais? Tout simplement parce que vous allez avoir des résultats qui ne sont pas forcément connus du marché francophone, puisque les US sont souvent plusieurs années en avance. Donc, vous allez déjà avoir quelque chose d'unique et d'innovant. Et deuxième raison, c'est que rien que la traduction, ça vous donne déjà en soi un contenu qui est complètement unique. Et à la fin, vous aurez toujours la possibilité de tout traduire en français pour avoir un contenu complètement explosif. Donc là, c'est pareil, vous choisissez la vidéo que vous voulez, admettons celle-ci au hasard. Automatiquement, elle apparaît ici, on a le titre de la vidéo et tout le contenu. Donc là, vous voyez que j'avais sélectionné dans les settings une traduction automatique en français. Donc ici, on va remettre le langage par défaut. Et ici, vous avez tout le script automatiquement de la vidéo. Donc là, la vidéo est en anglais, donc tout le script est en anglais qui ressort ici. Alors maintenant, pour transformer l'article, la première chose à faire une fois qu'on a ça brut de décoffrage, c'est d'ajouter de la ponctuation. Donc vous cliquez tout simplement sur Add ponctuation et automatiquement, la ponctuation à ce niveau-là est ajoutée. Vous voyez, vous avez des points, vous avez des virgules. On a toujours maintenant sur cet article des gros pavés. Donc, vous cliquez tout simplement sur Create Paragraphs et automatiquement, vous avez des paragraphes qui sont créés. Alors, vous avez des outils ici que vous pouvez utiliser. On va les utiliser notamment au niveau du Rewriter ici. Je vais vous montrer ça dans un instant, notamment Convert to Blog. Ça va reprendre ces différentes parties et ça va les convertir en un superbe article de blog en utilisant de l'intelligence artificielle interne au logiciel. Vous allez pouvoir également corriger la grammaire. Vous allez pouvoir également, si vous le souhaitez, rajouter des images. Vous cliquez ici sur Add Images. Et puis, on peut mettre, par exemple, si on tape Email, on fait une recherche d'images. Automatiquement, vous avez des images qui apparaissent et vous pouvez tout simplement glisser l'image et créer votre poste comme ça extrêmement rapidement avec des images qui sont complètement libres de droit, bien évidemment. Et vous pouvez également cliquer ici sur Spin Content pour que ça reformule le contenu. Alors ça, ce sont les outils de base. Encore une fois, on va les revoir au niveau du Rewriter. Mais ce que je vais vous montrer là, c'est l'intelligence artificielle par ChatGPT. Donc vous avez ici votre article. Maintenant, ce que vous voulez faire, une fois que vous avez créé vos paragraphes, vous allez cliquer ici tout simplement sur Create AI Outline. Là, c'est l'intelligence artificielle qui va prendre le relais et on va mettre par exemple B2B Email Marketing Tips, donc le titre du mot-clé qu'on a tapé, et vous cliquez sur Create Outline et ce que ça va faire, ça va scruter tout cet article, tout ce transcript de vidéo et ça va rajouter automatiquement des titres sur chacun des paragraphes. Vous voyez, ça vous permet d'avoir instantanément une vision de haut niveau sur cet article et tout ça grâce à ChatGPT. Maintenant, vous avez les différents titres de l'article ici que vous retrouvez à ce niveau-là. Et ce que vous allez pouvoir faire maintenant, c'est deux choses. La première des choses, c'est balayer cet article-là. Et si vous repérez une phrase que vous voulez étayer, donc par exemple ici, vous voyez, il y a une phrase comme ça. Si vous souhaitez l'étayer, vous la surlignez et automatiquement ici, vous avez la possibilité soit d'écrire du contenu pour vous, toujours grâce à ChatGPT pour qu'il étendre ce contenu, soit ici vous avez la possibilité de paraphraser ce contenu, ou soit ici vous avez la possibilité de simplifier le contenu. Donc imaginez par exemple écrire du contenu pour moi, si vous voulez plus de contenu sur cet aspect là, expand professionally, vous cliquez sur submit, vous pouvez faire expand casually ou dans la voix de. Et ici vous allez pouvoir par exemple ici taper, si je mets par exemple Tony Robbins, ça va vous sortir du contenu exactement dans la voix de Tony Robbins, comme si que c'était lui qui écrivait l'article. Ça peut être dans la voix de vos référents de votre thématique, par exemple Gary Vaynerchuk ou Neil Patel si vous êtes dans le SEO. Et automatiquement, l'intelligence artificielle va imiter
le style d'écriture de la personne que vous mettez à ce niveau-là, ça vaut tout l'or du monde. Donc ici, par exemple, on clique sur Submit et ça va écrire davantage. Ça va étayer cette partie-là que vous avez sélectionnée dans le style ici de Tony Robbins, qui est un référent dans le développement personnel aux États-Unis et dans le monde. Donc on attend quelques petites secondes et automatiquement, vous voyez, ça a rajouté tout un pavé comme ça dans le style d'Anthony Robbins. Donc ça, c'est la première des choses que vous pouvez faire, c'est-à-dire utiliser l'intelligence artificielle pour retoucher certaines parties, les étayer, les simplifier, les paraphraser, pour au final obtenir votre article de blog et ensuite pouvoir créer des child posts, c'est-à-dire à partir de cet article-là, créer plein de petits blogs satellites de environ 500 mots qui vont ensuite pouvoir pointer vers cet article de référence. Ça, c'est la première façon de faire. La deuxième façon de faire, c'est tout simplement, une fois que vous avez généré toutes ces outlines, c'est-à-dire les titres de différents paragraphes qui se sont générés de manière automatique, eh bien, vous pouvez créer du contenu à partir de zéro, c'est-à-dire à partir de ces titres-là, pour avoir quelque chose qui finalement n'a plus rien à voir avec la vidéo initiale, ce qui vous permettra d'avoir du contenu qui est 100% unique. Mais la vidéo initiale vous aura permis de sortir ces titres-là et ensuite, chacun de ces titres-là, vous allez avoir du contenu qui est complètement unique et généré par l'intelligence artificielle. On peut cliquer tout simplement sur Create Content from Outline et à partir de tout ces titres-là, on va attendre quelques petites secondes. Le moteur basé sur ChatGPT va vous réécrire ici du contenu qui est complètement unique sur chacun de ces titres-là, qui va vous réécrire un article de blog de haute qualité qui finalement n'a plus rien à voir avec la vidéo initiale qui nous a servi surtout pour avoir ces différents titres-là, pour avoir des idées pour écrire un superbe article. Et voilà, le contenu généré à partir des différentes outlines ici a été généré et maintenant vous avez quelque chose qui a complètement été créé par l'intelligence artificielle, un article complètement neuf qui n'a plus rien à voir avec la vidéo initiale. Et de la même manière, cet article-là, vous pouvez très bien scruter cet article et s'il y a une phrase particulière que vous voulez étayer, eh bien vous pouvez faire exactement la même chose. Expand professionally, casually in the voice of. Et ici vous pouvez mettre une célébrité, vous cliquez sur Submit. Vous pouvez également décider ici de simplifier la phrase ou de la paraphraser avec l'intelligence artificielle pour avoir une pièce de contenu complètement unique. Vous avez également la possibilité, pour être sûr que ça ne va pas être détecté comme étant du contenu généré par intelligence artificielle, donc c'est pour ça que vous pouvez ensuite paraphraser différentes parties, analyser ici, vous cliquez tout simplement sur Detect AI Content et automatiquement l'intelligence artificielle va regarder si c'est compatible avec Google, si Google a des chances de le reconnaître comme étant du contenu généré par intelligence artificielle et ça va vous donner un pourcentage de chances que votre contenu va être considéré complètement unique et passé sous le radar de Google. Mais de toute façon, Google, intelligence artificielle ou pas, ce qu'il veut, lui, c'est du contenu à haute valeur ajoutée. Donc je vous montre ça dans un instant, juste avant. À partir de votre article ici, si vous en êtes satisfait, vous voyez, vous pouvez faire undo, redo, vous pouvez l'enregistrer comme draft, vous pouvez ici, si vous le souhaitez, copy to clipboard ou télécharger le contenu soit au format TXT, soit au format PDF pour, par exemple, vendre la génération de contenu à d'autres personnes, par exemple des articles de blog ou autres, que vous aurez généré en quelques clics simples. Donc si je clique ici par exemple juste sur Download PDF, automatiquement vous voyez le PDF se télécharge. Si je clique sur Ouvrir, eh bien vous avez ici tout votre PDF qui apparaît à ce niveau-là. Alors bien évidemment ici, il faudrait peut-être changer le titre. Keyword auto hyperlink, c'est ça si vous voulez des liens particuliers, si vous faites de l'affiliation. Vous mettez des mots-clés qui sont dans le contenu et vous mettez par exemple vos liens d'affiliés ou des liens de redirection qui seront automatiquement insérés à l'article. Feature image, et ben ça c'est l'image de la vidéo YouTube, donc vous cliquez tout simplement sur Change Feature Image et automatiquement vous sélectionnez une de vos images que vous voulez. Au niveau des tags, eh bien ici vous pouvez supprimer ou rajouter des tags, ça c'est vraiment comme vous voulez. Et au niveau du SEO, ça c'est pareil, vous avez une image des tags, donc vous pouvez mettre par exemple un certain nombre de mots-clés SEO, vous pouvez mettre votre mot-clé SEO principal, donc par exemple on peut mettre B2B marketing, et ici vous cliquez ici sur
Generate SEO Review pour montrer un score SEO pour voir si c'est bien optimisé. Donc vous voyez 72%. Vous pouvez cliquer ici pour voir comment améliorer l'article pour qu'il soit complètement optimisé sur le SEO. Donc par exemple, ajouter un titre H1 sur la page. La page contient moins de 2 liens et il n'y a que 2 related keywords et il en faut au minimum 3. Donc vous voyez très facilement, vous savez exactement ensuite comment optimiser d'un point de vue SEO cet article-là. Et une fois que vous êtes OK avec ça, vous pouvez cliquer ici sur Create Child Post. Ici, vous mettez le nombre d'articles, donc ça peut être 10. Je crois que c'est le maximum, ça peut aller jusqu'à 30. On va mettre par exemple 7 articles. Ici, vous mettez le main keyword, donc on va mettre par exemple B2B email marketing. Ici, si vous souhaitez des sous-mots-clés, on va pas sélectionner de tag et on clique sur Submit et instantanément, vous avez vos child posts, c'est-à-dire vos petits posts de blog satellites qui vont faire environ 500 mots chacun, qui sont en train d'être créés. On va ensuite les voir ici au niveau de child post. Donc là, la machine basée sur ChatGPT est en train de créer tous ces posts-là de manière complètement automatique en rapport avec ce gros post de blog. Et ensuite, tous ces posts-là qu'on est en train de créer vont pouvoir pointer vers ce gros article de blog de référence pour vous créer tout un écosystème de posts, exactement le type de blog que Google adore. Et donc vous pouvez également cliquer sur syndication et vous allez automatiquement pouvoir poster votre article soit sur LinkedIn, sur vos différentes pages Facebook ou sur Twitter. Ici vous allez pouvoir gérer ça dans intégration pour intégrer vos différents comptes et vous allez également pouvoir publier sur un certain nombre de sites WordPress. Il vous suffit tout simplement de télécharger un plugin, de l'installer sur votre site WordPress pour faire le lien. Et vous cliquez ensuite tout simplement sur Publish. Et dernière petite chose, si je reviens sur le contenu, quand on clique ici sur Detect AI Content, vous avez ici un score qui apparaît automatiquement. Et ce score, ça vous montre que à 98,471%, cet article va être largement apprécié par Google qui ne détecte aucune présence de contenu généré par intelligence artificielle. En tout cas, à 98,471%, vous avez toujours l'opportunité de modifier n'importe quelle section de cet article. Et dernière petite chose ici, au niveau de Keyword Settings, vous voyez que vous pouvez décider automatiquement de mettre des mots-clés en gras, donc par exemple email marketing, vous cliquez sur bold keywords, italique ou underline, ou vous pouvez remplacer également des mots-clés, et ici email marketing, à chaque fois qu'il y a une occurrence, eh bien c'est mis en gras dans l'article. Alors maintenant, cet article-là, vous pouvez le garder tel quel, et si vous le voulez en français, pas de souci. Si je copie par exemple juste cette partie-là, il suffit tout simplement de le coller dans Google Traduction et automatiquement, vous récupérez votre article comme ça. Alors, je vais le coller ici. Instantanément, ensuite, vous pouvez éditer les choses, par exemple ici, mettre ce titre en H1, etc. Et vous obtenez un superbe article complètement unique et en français. Alors maintenant, autre petite chose que je veux vous montrer, c'est le Rewriter. Vous obtenez ici les fonctionnalités qu'on avait précédemment dans l'éditeur. Alors ce que vous pouvez faire, c'est soit trouver des articles de blog en anglais, vous les collez ici et vous cliquez automatiquement sur Rewrite et ça va les re-rédiger de manière complètement unique. Vous pouvez également cliquer sur Convert to Blog ou Spin Content et ça va vous donner d'autres moyens d'avoir du contenu complètement unique. Ou alors, vous trouvez par exemple un article en français. Par exemple, vous voyez ici, c'est sur les 5 trucs, 5 façons d'être heureux. On peut prendre par exemple une partie sur apprendre à se connecter. On va coller ça tout simplement et on va juste le traduire en anglais et ensuite on le repassera en français. Mais de toute façon, à partir du moment où c'est une traduction vers l'anglais ou à partir de l'anglais, la traduction est extrêmement fiable. Donc, on revient dans l'outil, on va coller tout simplement ce morceau d'article juste pour vous montrer comment ça fonctionne. On clique sur Rewrite et automatiquement, vous avez toute cette partie-là qui est réécrite de manière complètement unique. Donc vous voyez, on a un nouvel article à partir d'un article existant qui est complètement unique. Et vous pouvez également cliquer ici sur Convert to Blog et vous allez également avoir un article de blog à part entière qui va apparaître sous vos yeux de manière complètement automatique en utilisant l'intelligence artificielle qui est spécifique au logiciel. Et voilà, instantanément, vous avez une conversion en un article de blog. Vous pouvez ensuite
rajouter de la ponctuation, corriger la grammaire. Vous pouvez cliquer ici sur Spin Content et vous pouvez également, si vous le souhaitez, à partir de ça, utiliser les différents outils d'intelligence artificielle ici. Notamment ici, vous voyez Expand pour rajouter du contenu sur une phrase particulière, pour créer des outlines, pour créer d'autres types de contenu à partir de cet article-là. Ensuite, vous pouvez tout simplement le copier. Vous le collez maintenant sur Google Translate et ça vous fait, vous voyez, ça vous fait tout un superbe article, si dans le cas où vous voulez que ça soit en français, je le colle ici. Vous avez un superbe article en français qui a été créé uniquement à partir de cette petite partie-là. Et juste pour terminer, maintenant, on peut retourner ici sur Child Post. On retrouve bien les 7 articles qu'on a demandé à avoir été créés automatiquement. Alors, on peut cliquer par exemple sur celui-ci. Et automatiquement, vous vous retrouvez avec un article supplémentaire qui va vous servir d'article satellite sur le gros article de base. Vous voyez ici, il y a 584 mots. Et à partir de cet article, vous allez pouvoir également créer plein d'autres contenus. Vous cliquez ici sur Create Content from Outline, c'est-à-dire à partir de cet article-là, vous cliquez dessus. Et ça y est, votre nouveau contenu a été généré. Vous avez un tout nouvel article hyper long à partir du petit contenu que vous avez précédemment si vous souhaitez convertir ça avec un article qui a beaucoup plus de contenu. Autre chose que vous pouvez faire ici, vous allez pouvoir faire exactement la même chose sur Vimeo et faire toutes les recherches que vous voulez exactement de la même façon. Si je tape juste un mot-clé comme ça, automatiquement vous avez plein de vidéos qui apparaissent ici et que vous allez pouvoir utiliser. Donc voilà pour cet outil qui est une véritable machine de guerre en termes de création de contenu de qualité, qui est Google friendly et qui va vous permettre de créer à partir d'un simple mot-clé, de transformer n'importe quelle vidéo en un superbe article de blog long et en plein de petits articles d'environ 500 mots qui vont ensuite pouvoir être reliés vers votre article principal pour vous créer un écosystème de blog complet en seulement quelques clics simples. Et restez hyper attentifs parce que en plus de recevoir vos accès à cet outil, vous allez avoir deux bonus exclusifs. Le premier, c'est une vidéo de formation complète à l'outil et en français pour le prendre en main extrêmement facilement et rapidement, qui a une valeur de 97 euros. Le deuxième bonus, c'est une licence commerciale qui vous donne le droit d'utiliser le logiciel pour vos clients et vous fixer librement les prix de vos articles. Ça peut être 50 euros, 100 euros ou même 1100 euros comme on a vu certains freelance qui le faisaient. Alors, quelle est la valeur de l'outil? J'ai une question pour vous. Si vous aviez un outil qui puisse remplacer un créateur de contenu à plein temps, combien est-ce que vous seriez prêt à payer? Si c'est à plein temps, eh bien vous l'embauchez, vous serez peut-être prêt à payer 997 euros par mois, et si jamais vous le payez 497 euros par mois, eh bien ça serait vraiment pas cher du tout. Alors accrochez-vous parce que le prix de cet outil aujourd'hui, vous pouvez l'avoir pour un seul paiement à vie pour une fraction de son prix et le tarif augmente régulièrement, donc vous ne trouverez pas meilleure offre que maintenant. Si vous revenez dans quelques jours, eh bien probablement le tarif aura déjà augmenté. Et en plus de ça, vous avez une facilité de paiement en deux fois. Donc tout ça, ça se trouve juste en dessous. Choisissez la formule que vous voulez, paiement en une fois ou en deux fois, mais réservez votre place dès maintenant et imaginez un petit peu vos résultats d'avoir en quelques clics simples un contenu de haute qualité qui est optimisé SEO pour Google, qui va vous permettre de ranker beaucoup plus facilement, d'être dans les meilleurs résultats de recherche sur Google et en plus qui est 100% cohérent et lisible par un humain. C'est pas juste un contenu optimisé mais finalement qui n'a aucun sens. Ici c'est vraiment un contenu qui est cohérent et lisible. Imaginez aussi vos résultats quand vous allez pouvoir générer des articles de haute qualité qui sont 100% uniques à partir d'une simple vidéo et en pressant un bouton. Et imaginez aussi vos résultats car vous allez pouvoir créer tout un écosystème d'articles en quelques minutes pour lancer un nouveau blog sur une toute nouvelle thématique qui va siphonner du trafic ciblé et gratuit et automatique depuis Google. Donc réservez votre place tout de suite, ça se trouve juste en dessous. Avec ce super outil, n'importe qui peut créer toute une stratégie de contenu de haute qualité en automatique en seulement quelques secondes. J'ai hâte de vous retrouver de l'autre côté, à tout de suite.